petits et nus. Ne plus rien posséder. Nous avions tout quitté pour vivre avec François. Je voulais l'aider à faire un monde meilleur. In nomine Domini, regenda est vita minorum fratrum, regula che preceptis, Santa Ecclesia probatis conveniat. Sin autem, ordo fratum Francisci, creare non poterit, decebit vobis ut prediximus, novam regulam scribendam. Uiusque confirmationem, iterum abut nos petendam. Ut vobis liceat, vita minorum fratrum agere. Utinam Dominus honestam mente vobis inspiret in preceptis vestris vite reformandis. Relève-moi la tête que je puisse voir tes yeux. On dit que tes prêches sont magnifiques. Que tu es aimé partout où tu vas. On dit trop de choses sur moi. C'est bien la règle que tu as écrite pour tes frères. J'ai suivi les mots du Christ. Si un frère recevait un ordre contraire à sa vie ou à son âme, qu'il ne soit pas tenu de lui obéir. Ça aussi, c'est du Christ. Si on oblige un frère à pécher, il doit le refuser. Tu veux créer un ordre, ou bien tu encourages la désobéissance? Sans hiérarchie, vous ne serez jamais qu'un groupe de vagabonds. Des hérétiques, ni plus ni moins. Nous voulons créer une société fraternelle, où chacun soit l'égal de l'autre. Et vivre pauvre, tout simplement. En attendant, reprends ta règle. Elle est bonne pour les cochons. Prends-la et réécris-la. Tu n'étais pas encore né. Et c'est pour les pauvres comme toi que nous avions choisi cette vie. Facete. Dominique. Ça va? Oui. Vous allez bien? Alors? On a le droit de prêcher et d'aider les pauvres. Et on est reconnus? Non. Non. Ils ont dit à François d'amener notre règle aux cochons. J'adore les cochons. Non, mais nous sommes tolérés. C'est un premier pas. Réjouissons-nous. J'espérais tant pour notre fraternité. Allons prier. Et Jésus n'a jamais été reconnu. Les apôtres l'ont aimé et ont suivi sa parole. Et ça lui a suffi. Il n'a jamais fait des compromis. Et c'est justement à cause de ça qu'il est mort pour nous. Tout ce qu'il vole, c'est nous contrôler. Mais c'est écrit dans l'Évangile. Hein? Nous accueillons dans notre fraternité même nos ennemis. Et tout l'écrit dans la règle. Et c'est peut-être ça. Ils ne supportent pas ça. Nous n'avons pas d'ennemis. Nos ennemis sont nos frères. Nous rêvons. Si on ne fait rien, nous serons dissous. Pour rester ensemble, obéissons et réécrivons la règle. Si c'est ça, je préfère m'en aller. Tu veux nous quitter ? Oui, pourquoi pas. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que faire des compromis avec Rome, c'est pas trahir notre vœu? La parole de Dieu, telle que François l'a reçue, c'est une vérité. On négocie pas avec la vérité. Nous avons donné notre vie pour être ici.
et nous en sommes heureux. Et il faudrait encore écouter les puissants. Ne réécris pas la règle, François. Ne la réécris pas. Mes frères, notre vie est toute simple. Qu'est-ce qu'on fait? On dort comme les plus pauvres. Dehors, on ne prend pas d'argent, même quand on travaille dans le champ, jamais. Nous, on fait que tendre la main. Au jour le jour, pour recevoir ce que Dieu nous donne. Et il donne tant. Mais regardez-vous. Alors, la fraternité, c'est le monde de Dieu. C'est que ça, la paix, c'est le monde de Dieu. Nous n'étions pas là pour être servis, mais pour servir. Doucement, doucement, attention. Tenez. Tiens. Merci. Thank you.
Tu crois en notre vie, Ellie? Tu sais ce qu'ils font aux hérétiques? Seigneur. Oh, Seigneur. Je veux te louer parmi les peuples, Seigneur. Et te chanter un psaume parmi les nations. Car ton amour est aussi vaste que l'univers! Et ta fidélité... plus haute que le ciel. Sois loué, oh Dieu, tout là-haut dans les cieux. Et que ta gloire rayonne sur toute la terre. L'Église ne doit pas nous changer, Ellie. Tu es arrivé à ce moment-là. Et nos bras t'ont accueilli. Regardez qui j'ai trouvé. Tiens. Je l'ai trouvé un autre jour, mais il était mort. Tu peux le garder? Non, je peux pas. Si nous n'étions pas reconnus, nous ne pourrions jamais faire assez pour les enfants comme toi. Faudra quelque chose pour le mettre. Claire. Tu as le cœur lourd. Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, j'ai peur que le frère se divise. Il s'est passé quelque chose? C'est Ellie. Je ne sais jamais ce qu'il pense vraiment. Tu sais qui il est. Tu le connais depuis toujours. Il est très dévoué pour nous. Ton amour le protège. Tant qu'ils sont avec toi, ils ne peuvent pas se diviser. Mais je ne serai pas toujours là. Tu as les doigts tout fins. Tu manges aussi? Je mange droit. Ils veulent un chef maintenant. Le Christ ne leur suffit pas. Mais jamais je ne serai celui-là.
Tenez les enfants, tiens. C'est bon. Il tremble. Tu veux le rappeler à lui? Dis pas ça. Je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je te donnerai un nom. Il a faim. Donne-le-moi. Comment il s'appelle ? Étienne. Il s'appelle Étienne. C'est eux qui nous aident. C'est eux qui nous montrent Dieu. Les pauvres, c'est une bénédiction. On pourrait faire notre propre récolte. Tu veux quoi, exactement ? Tu veux de la terre ? Non, je veux aider. Comme toi, Léon, comme nous tous. Tu veux avoir. Ça ne te suffit pas de recevoir. Si on plante des jardins, au moins on pourra donner la récolte aux pauvres. C'est tout simple. Ils en ont besoin. Il a raison. On n'en fait pas assez pour eux. Mais nous ne sommes rien, Ellie. Qu'est-ce que nous sommes aux yeux de Dieu Seigneur, hein? Ils sont comme ces herbes pliées par le vent, qui s'accrochent. Rien de plus. Tout le reste, c'est l'orgueil. Et toi aussi, t'es orgueilleux, François. Il faut manquer pour recevoir Dieu. Tout ce que tu penses est contraire à notre vie. Le pape nous a dit d'adoucir notre vie. Mais c'est pas notre vie qu'on doit adoucir, mais celle des autres. Si on arrive à faire plus pour eux, il ne pourra que nous reconnaître. Un jour, tu voudras des terres, des serviteurs aussi.
Pourquoi pas un petit château? Pourquoi? Pourquoi vous n'entendez pas? Pourquoi on n'écoute pas les signes de Dieu? Au travail. Tu grandissais. Toutes ces années dans les bois, tu survivais comme nous. Je vais vous dire une chose, hein? Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Là où est la discorde, que je mette une lumière. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là. Où est la tristesse, que je mette la joie. Oui, oui, la joie. Où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Où est le doute, que je mette la foi. Donnez-vous votre main. Merci. Répétez après moi. Seigneur. Seigneur. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Et encore, Seigneur. Seigneur. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Que je ne cherche pas à être consolé, mais à consoler. Je ne cherche pas à être compris, mais à comprendre. Je ne cherche pas à être compris, mais à comprendre. Je ne cherche pas à être consolé, mais à consoler. Je ne cherche pas à être consolé, mais à consoler. Je ne cherche pas à être compris, mais à comprendre. Je ne cherche pas à être compris, mais à comprendre. Je ne cherche pas à être aimé, mais à aimer. Je ne cherche pas à être aimé, mais à aimer. Attention! Ne restez pas là! On n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas le droit d'être ici, écartez-vous. On a le droit de prêcher. Dispersez-vous, vous n'avez rien à faire ici. Rien. Seigneur, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre. Que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. Que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre. Que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. Sont les paroles de l'Évangile. Nous prêchons l'humilité et la paix. Toi aussi, rejoins-nous. Oui, 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 viens avec nous. Viens avec nous. Descends, ami. Viens avec nous. Viens avec nous. Lâche-moi. Descends. Viens avec nous. Lâche-moi. Dominique. Dominique. Ah, Dominique. Ah, ah, ah. Par ici, venez. Tiens, s'il te plaît. Chut, calme-toi. Chut, ça va aller. Tu es très aimé, François. Mais on nous prend toujours pour des hérétiques. Un jour, ils vont nous chasser d'ici, tu verras.
Souris-moi, Ellie. Hein. Souris-moi, toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes frères. Aie pitié de François. Pense trop à la mort. Tu as vu ce qui est arrivé à Dominique. Tant que tu n'auras pas écrit une règle qui nous protège, je continuerai à y penser. Si tu ne le fais pas, tout ce qu'on a construit sera perdu. Pourquoi tu ne fais rien? Pars en héritage avec Léon. Va la réécrire. C'est comme une mère. Manquer, ne pas donner assez. Prévoir, ce sont les peurs d'une mère pour ses enfants. Parce qu'elle les aime. Oui. Mais elle perd beaucoup à vouloir toujours les protéger. Elle perd quoi? Profiter de chaque instant avec eux. Les sentir respirer. Les regarder courir dans la lumière, sans penser que c'est vraiment mal. Si tu perds ta joie, Ellie, c'est là que j'aurais tout raté. Je vais faire ce que tu dis. Je vais partir. Je pense que notre vie est trop dure, toi. Non, François. Écris simplement ce que tu veux pour nous. Thank you.
Maintenant, nous prenons la terre, comme tu l'as toujours voulu. Elle est très belle. Regarde. Mais elle est à Dieu, cette terre, Elie. Nous la prenons déjà pour installer nos cabanes. Tu prends l'ombre des arbres, le bois pour te chauffer, l'eau de la rivière. En quoi ce pauvre petit jardin vous fait peur? C'est contraire à tous nos voeux, tu le sais très bien. Éviter aux pauvres d'avoir faim. Vouloir combattre la pauvreté, c'est un péché. Combattre la pauvreté? Il faut l'aimer, la pauvreté. C'est la richesse qu'il faut combattre. Tu n'as jamais aimé notre vie. Tu veux changer notre vie? Police! 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 Ça suffit! Tu veux toujours imposer ta volonté, dominer les autres. Pourquoi tu fais ça? Enfin, François ne le tolérera pas. Dis-moi quoi faire. Je veux t'aider. Oui, moi aussi. Moi aussi. Des braises. D'accord. Merci, Étienne. Faut espérer. Vous le sauvez. Frère.
Je crois qu'il faut venir. Tu connais ce corps. Il s'appelait Dominique. Tu l'as créé. Reprends l'âme qui l'a habité. Reprends ce cœur qui a tant battu. Remplis de ta force son absence dans les nôtres. Fais ton lit dans notre douleur, de devoir l'équité comme dans notre joie, de le savoir avec toi. Seigneur, fais de mon pauvre souffle ton chant pour ces bienheureux que tu accueilles. Amen. Oi camate lo creatore, ponete mente allo mio dolore. Ch'io so Maria colo cor tristo, la quale avea per figliuol Cristo. La speme mia e dulce acquisto fue crocifisso per li peccatori. C'est toi qui m'as apporté ça ? Oui. Tiens, merci. Tu voudrais rentrer dans la fraternité ? Être avec nous? Je sais pas. T'es toujours là. À traîner dans nos pattes. Tu pourrais vivre ici. Je sais pas, vous avez besoin de moi? Humilitate mancile sue,
décidé de partir chercher François. Son absence m'inquiétait. Je savais que tu viendrais. Tes yeux. Vous n'avez pas vu de médecin? Il ne veut pas. Par quoi faire? Tu t'occupes bien de nos frères. J'essaye. Mais tu leur manques. Tenez. Dominique est mort. Alors, vous n'avez rien changé. Vous lui présentez ça. Qu'est-ce que tu voulais qu'il change? Mais enfin, Léon. L'idéal de François n'est pas de ce monde. Depuis le temps, faudrait qu'on l'ait compris. Je voudrais pouvoir dire autre chose. Dès qu'on commence à travailler, il se braque. Il me répète, tu ne rêves pas assez, Léon, tu n'aimes pas assez l'Évangile. Il revient toujours à la première règle, à son idéal de liberté et de charité. Tu as voulu bien faire. J'y suis pas arrivé. Je suis presque aveugle. Bonsoir. Tu as toujours voulu écrire la règle avec François, n'est-ce pas?
Je veux l'aider à bâtir son ordre. Mais quand elle existera, tu voudras en être le chef. Je ne suis pas fait pour ça, Renard. Qu'est-ce que tu cherches, alors ? La gloire ? Est-ce que tu connais la joie dont François parle ? Ou pas ? Je ne sais pas. Mais François, lui, le sait. Alors, je vais lui tenir chaud pour la nuit. D'accord. Vous me voyez ? Oui. Et là ? Vous êtes clair comme l'eau. Bon. D'après moi, l'infection vient des yeux. Non. L'humeur est plus abondante dans les oreilles. Nous devons rester sans monastère et sans maison. Les frères ne sont pas des seigneurs. Je ne vous promets rien. Il faudra faire des retouches. Les frères doivent se réjouir de vivre parmi les plus pauvres, les plus déshérités. Pourquoi enlever un article cons ? La lettre et l'esprit, c'est vieux comme le monde. Je suis votre protecteur au Saint-Siège. Je vais parler au pape. Qu'est-ce qui ne va pas ? Toujours les mêmes points. La possibilité pour un frère de désobéir à son ministre. Notre vie dans l'extrême pauvreté. Et les références systématiques à l'Évangile. Mais ça ne fait pas une règle. Pas pour le pape. Alors tu veux changer quoi ? Qui convient à nous, amis ou adversaires voleurs brigands, sera reçu avec bienveillance. Ça, ce n'est pas possible. C'est notre vie. C'est nous. La fraternité ne peut pas être un refuge pour ceux qui enfreignent la loi. On pourrait dire aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Oui. Aimez, priez. Tout le monde dit ça, Ellie. Ils ont peur de la faiblesse. Avec la peur, le monde ne sera jamais pacifié. Faut m'aider. Je n'arriverai pas à le convaincre surtout.
à vous de nous aider. N'inversez pas les rôles. Si je n'y arrive pas. Vous croyez que tout ça s'est construit sans peine? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Je ne peux pas le forcer à écrire. Alors faites-le, vous. Ne me demandez pas ça. Dans ce cas, tout le monde est perdant. Vous perdez l'ordre, l'Église, Père François, après toutes ces années. C'est votre droit le plus strict. Je ne ferai rien sans son accord. Réfléchissez. La vie que François nous offre est un rêve magnifique, il n'y a pas de doute. Et pour le partager, il faut que vous le rendiez possible. Vous avez enlevé ce qu'il fallait, l'essentiel est là. Votre joie est là. Notre joie. Vous n'êtes pas satisfait. Nous avons exclu les plus faibles. J'ai exclu les plus faibles. Vous êtes comme lui, incorrigible. Pensez aux frères qui suivront cette règle et seront enfin reçus et aimés partout. C'est une nouvelle histoire qui commence. Pour eux, elle commence, oui. Vous avez fait ce qu'aucun autre frère n'a eu le courage de faire avant vous. Le nom de François traversera les siècles. Tâchez de le convaincre cette fois-ci. La nouvelle règle fut approuvée un mois plus tard par la bulle pontificale Soleta Nuere. J'avais retiré la plupart des citations de l'Évangile. Un article qui autorisait les frères à désobéir aux supérieurs avait été enlevé.
la joie de vivre parmi les plus pauvres, ainsi que toutes les prescriptions destinées à faire pratiquer par les frères une pauvreté rigoureuse avait disparu. J'avais enlevé les articles auxquels il tenait le plus. C'est faux. Je me suis battu. Pour nous, pour les frères. Nous avons réussi. Bien, j'espère, de tout mon cœur, que notre vie sera plus belle que ça. Tu n'en veux plus de ton ordre. Le répète. Mieux que moi. Tu sais très bien. Je sais rien. Personne ne sait rien. C'est toi qui crois te savoir tout le temps. Je vais rentrer, moi. Rentrer. Je vais rentrer seul. Tu resteras ici, toi. Tu continueras à nous protéger comme tu l'as toujours fait. Et tu sauras quand revenir parmi les frères. Thank you.
J'espérais que tu me pardonnerais. Ellie. Ellie, vous m'entendez? Ellie. Qu'est-ce qui vous a pris? Emmenez-le. Emmenez-le vite. À l'époque où je commençais à enseigner dans ma ville natale, je m'étais lié avec un ami que la communauté d'études m'avait rendu infiniment cher. Enfant, il avait grandi avec moi. Ensemble, nous étions allés à l'école. Ensemble, nous avions joué. Mais il n'était pas encore mon ami. Et même quand il le devint, ce ne fut pas une véritable amitié. Vous croyez qu'il ne vous a pas pardonné? Bien sûr qu'il m'a pardonné. Vous ne lisez plus. Je me disais, François a beaucoup de frères, mais peut-être qu'il ne sait pas ce qu'est l'amitié. Déjà, la pensée de cet homme s'égarait avec la mienne. Et mon âme ne pouvait se passer de lui. Je voulais d'abord lui laisser reprendre des forces et réparer sa santé. Je pourrais alors en user avec lui librement.
là. Tu ne m'as jamais demandé de revenir. Comment ça s'est passé? Tu l'as vu? Non. Et toi? Il était seul quand c'est arrivé. Qui est au courant? Nous. Et maintenant, toi? C'était le jour, la nuit. Mais il s'est endormi. On est descendu au village pour trouver quelque chose à manger. Et quand on est rentré, il était comme ça. Il était où exactement? Là, à la grotte. Pourquoi ces questions? Tu ne crois pas au miracle de notre frère? Un miracle. François? Tout ira bien. Ah oui. Thank you.
tu mon Seigneur. Avec tout tu spécialement si fort soleil, à qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau rayonnant d'une rose splendeur, et toi le très haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour son lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère grand, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur O, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour faire feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce notre mère, la terre. Je voulais que tu aies le droit de suivre sa vie. Qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce qui pardonne. Amour pour toi, qui supporte épreuve et maladie. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur. Avant de mourir, François m'avait dit « Écris que je bénis tous mes frères, ceux qui sont dans notre ordre, et ceux qui jusqu'à la fin y viendront. »
Thank you.